bon nombre d'étudiants, lorsqu'ils arrivent en Allemagne, ils ratent leurs études. Ils n'arrivent pas à étudier, ils ratent totalement les études. Ils sont renvoyés, commencent à faire d'autres formations, ils n'arrivent pas à continuer. Qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qui fait cela? Comment y remédier? Dans cette vidéo, je vais vous donner des astuces pour ne pas avoir raté ses études, pour pouvoir réussir ses études en 2023 en Allemagne. Et aussi, ces astuces sont applicables partout dans le monde. C'est parti! Hey les amis, welcome back to my channel. Donc dans cette vidéo, comme je vous l'ai annoncé, on va parler de comment réussir ses études en Allemagne en 2023. À l'heure où on parle, on est dans cette vidéo, l'année a commencé et on est vers la fin du premier semestre, on va dire le semestre d'hiver. Donc on est à la fin du premier semestre d'hiver. Et pour ceux qui n'ont pas encore commencé les études, c'est une très bonne chose que vous regardez la vidéo dès maintenant parce que vous avez encore débuté vos études et vous êtes encore dans l'apprentissage sûrement de la langue, je pense. Et ou bien vous êtes juste curieux de savoir le sujet et où vous étudiez dans un autre pays dont vous n'avez pas besoin d'apprendre une autre langue étrangère, etc. Donc, le plateau est posé, donc je vous invite à vous abonner. En 2023, il y a de belles choses sur vous sur cette chaîne. N'hésitez pas à vous abonner, vous abonner au maximum pour pouvoir voir des belles choses qui arrivent. Likez surtout si le contenu vous plaît. Et n'hésitez pas à donner un message dans vos commentaires pour vos astuces pour pouvoir réussir vos études. Donc, l'astuce la plus simple, hein, déjà pour pouvoir réussir ces études, qu'est-ce que c'est? C'est déjà de pouvoir se concentrer et suivre en classe. Si vous n'avez pas eu à suivre les cours, c'est vraiment difficile pour vous de pouvoir vous concentrer et de pouvoir suivre. Pourquoi? Parce que quand le professeur viendra vous donner un exercice, vous ne serez pas capable de rendre l'appareil. Voilà. Parce que l'école, le principe, c'est quoi? De pouvoir rendre comme on veut que vous le rendiez. Mais si vous n'avez pas suivi la manière dont il faut rendre la chose, c'est vraiment très difficile de pouvoir valider les points. En Allemagne, au-delà du fait que vous auriez juste à suivre les cours, étant étudiant étranger, donc c'est-à-dire que l'allemand, ce n'est pas votre langue native, donc vous aurez à faire double effort, déjà un effort de compréhension et également de la langue et aussi du cours, donc du Stoff. Voilà. Donc, pour cela, qu'est-ce que moi je préconise? Donc, c'est de maximiser vos cours de langue. Quand vous êtes encore en apprentissage de la langue, concentrez-vous vraiment à apprendre. Dans d'autres vidéos, je vais vous expliquer comment bien maîtriser cette langue-là, l'allemand. Donc, quand vous êtes dans l'apprentissage, il faut vraiment vous concentrer à bien apprendre la langue. Et par la suite, avancer le cours, par exemple. Par exemple, vous avez un cours, vous avez le programme du cours. Donc, essayez de voir un peu comment est-ce que cette matière-là, ça marche. Quels sont les différents chapitres qu'on doit aborder. Donc, essayez d'avancer le cours. Ça veut dire que si vous avez probabilité la semaine prochaine, commencez dès maintenant à chercher des notions de probabilité. Essayez de comprendre un peu comment est-ce qu'on dit probabilité en allemand. Et ça sera là, quand le professeur va venir en classe, vous allez déjà avancer sur les cours. C'est très très important parce que beaucoup de personnes veulent aller à l'étranger mais n'ont vraiment pas l'objectif d'apprendre. Souvent, je remarque les questions qui sont posées, c'est juste dans le bling-bling. Or, quand vous allez à l'étranger pour étudier, l'objectif, ça doit être de vraiment vouloir apprendre, vraiment acquérir de la connaissance. Donc déjà, bien sûr en cours, mais si vous n'avez pas, vous avez des difficultés au niveau de la langue, avancez le cours. Même ce conseil est aussi applicable aux personnes qui sont dans un pays francophone, par exemple, si vous vivez en Côte d'Ivoire et que vous faites beaucoup en français, vous pouvez aussi avancer le cours. Avancer le cours vous permet d'avoir une longueur d'avance sur les questions que le professeur peut pouvoir poser, les éventuelles interrogations qui peuvent venir, ou etc. etc. Alors, si vous êtes étudiant, donc j'ai réussi ces études, j'essaie d'englober le thème avec l'école et en même temps l'université. Donc, l'université, c'est un cadre différent. Donc, c'est la même, plus ou moins applicable. Parce que si vous arrivez à suivre au TD que vous faites, donc mentoriat ou bien practica que vous faites, vous allez pouvoir réussir vos cours, donc tout simplement vos examens. Donc déjà, suivre, avancer. Également, il y a une autre chose très simple hein, qu'il faut faire, c'est de vraiment s'occuper avec cette matière-là. Genre, faire beaucoup d'exercices.
Si c'est pas possible de faire des exercices dans la matière donnée, informez-vous sur le sujet encore plus. L'autre partie, vous avez fait avancer le cours. Maintenant, vous avez fini le cours. Donc, faites des recherches pour approfondir cette connaissance. Faites des recherches pour approfondir la connaissance. Intéressez-vous vraiment au sujet. Parce que souvent, quand vous partez en Allemagne pour pouvoir faire des études, on vous demande parfois de choisir des filières qui vous plaisent vraiment. Particulièrement moi, de choisir des filières qui vous intéressent. Parce que vous aurez vraiment envie d'aller en profondeur dans le sujet. Parce que quand vous faites des études, en principe, c'est d'aller encore plus en profondeur. C'est pas juste de rendre simplement ce que le professeur demande, non. C'est d'aller en profondeur pour pouvoir mieux comprendre et pouvoir mieux expliquer la chose si on vous le demande. Parce que au final, vous voulez avoir un diplôme dans ce domaine-là et travailler peut-être dans ce domaine. Donc, vous êtes censé être un supposé expert du domaine. Déjà dans les études, quand vous serez déjà en classe, on doit savoir que c'est vous le master. Voilà. Donc, je récapitule un peu. D'abord, la première chose, c'est de bien suivre en classe, d'avancer soit les cours, de bien maîtriser la langue. Et aussi, si on peut aller encore sur faire des exercices, vraiment s'occuper avec la matière, aller en profondeur de la matière. Aussi, il y a une autre chose que beaucoup de personnes n'ont pas le courage de faire, mais c'est s'approcher de ceux qui comprennent mieux les cours. Donc, des étudiants comme vous qui comprennent mieux les cours. De vraiment le demander. Moi, j'ai pas bien compris ça. Toi, tu as eu à participer beaucoup en classe. Comment est-ce que tu arrives à faire? Comment est-ce que tu arrives à comprendre ça? Essayer de discuter avec les gens. Donc, vraiment s'intéresser avec les aux gens qui ont vraiment des notions. Par exemple, en Allemagne, les Allemands sont particulièrement très retirés. Donc, ils s'approchent en général des Africains qui sont très brillants. Mais si vous restez à l'écart, vous ne comprenez rien, vous restez à l'écart. Allez vers les gens, même si vous comprenez aussi, hein, allez vers les gens, demandez. Mais donc, si vous pensez que le niveau des amis c'est encore un peu trop pour vous, allez voir le professeur parce que le professeur lui reste très objectif. Donc, essayez d'aller voir le professeur, discuter avec le professeur sur d'autres sujets et aussi pouvoir aller en profondeur de ce domaine-là. Naturellement, si c'est une matière qui vous intéresse à fond, discutez avec le professeur, intéressez-vous vraiment sur la matière. Donc, l'intérêt particulier que vous allez porter à une matière, à un cours, va déterminer vos notes dans cette matière. Pourquoi est-ce que j'insiste sur les notes? Parce que nous sommes dans un système de notes et les notes permettent de déterminer si vous avez compris le cours ou pas. Tout simplement. Donc, concentrez-vous vraiment, vraiment, vraiment sur le fait de demander aussi. Donc, aux professeurs, aux amis et tout. Et aussi, corriger ses études, ça passe aussi par avoir des loisirs. Hein. Parce que quand vous allez pouvoir commencer à travailler, vous allez étudier, vous allez faire tout ça, mais vous êtes très cantonné, vous allez faire un burn-out plus tard. Donc, vraiment, essayez de trouver des loisirs, ayez des amis, faites des sorties saines. Faites des sorties saines. Quand j'appelle sorties saines, bon, des balades, à vélo, des randonnées, découvertes de ville, aller à la plage, etc. Ça vous aide à vraiment être plus heureux, voilà. Et mieux réussir vos études. Aussi, un aspect que j'ai brossé comme ça, qui aura pour thème une autre vidéo que je vais faire, c'est d'avoir un emploi du temps. Pour pouvoir réussir ses études, il faut avoir un emploi du temps. Parce qu'il faut savoir déterminer le temps que vous voulez pour chaque chose. Donc, allouer une plage horaire pour chaque chose que vous avez à faire. Donc, c'est très, très, très important de le faire. Allouer une plage horaire à chaque chose. Donc, savoir dire, bon, maintenant je commence. Savoir aussi dire, bon, maintenant j'arrête. Savoir dire que oui, maintenant c'est l'heure de s'amuser, savoir dire aussi c'est l'heure de travailler. Savoir dire c'est l'heure de se reposer, savoir dire c'est l'heure de reprendre. Savoir dire c'est l'heure de extra réseaux sociaux, savoir dire. Donc savoir être très carré. En étant carré, c'est une personne, c'est un peu difficile pour elle, mais arriver à trouver votre flexibilité dans cette affaire. Parce que bon, carré, trop carré, c'est pas bon, mais aussi trouver, savoir être flexible. Parce que bon, par exemple, il peut avoir des imprévus, etc. Mais maximiser sur cela. Je vous invite vraiment à maximiser, c'est ça. Et c'est un peu ça comme sujet que je vais aborder au niveau de réussite, ses études. On va aborder encore plus de sujets pour aller en profondeur sur comment réussir ses études. Parce que je pense que pour pouvoir être une personne très carrée, droite dans la société, beaucoup de personnes vont dire qu'en ce moment, les études, c'est pas trop in, entrepreneur.
Si vous n'êtes pas une personne qui a rempli de vertus, donc qui est bien une personne humaine, ce serait très difficile de pouvoir réussir dans l'entrepreneuriat ou autre. Mais où est-ce qu'on acquiert toutes ces vertus en étant dans notre monde? C'est en, je pense, allant à l'école. Parce qu'à l'école, il y a des règles qui sont régies, qui nous aident à pouvoir être un peu carré. Bon. Mais il faut aussi avoir une ouverture d'esprit. Donc aussi, aller découvrir d'autres domaines. Donc ça, c'est une astuce bonus. Découvrir d'autres domaines. Par exemple, si vous êtes étudiant en médecine, essayez d'aller voir un peu ce qui se passe en droit. Essayez d'aller voir un peu ce qui se passe en informatique. Ce qui vous permettra d'avoir un spectre très large pour pouvoir essayer de voir un peu. Oui, le monde ne se tourne pas juste autour de la science, de la santé, mais aussi d'autres domaines. Donc c'est un peu tout par rapport à cette vidéo. Je vous invite vraiment à liker, partager et vous abonner au maximum à Discord, apprendre à apprendre et aider à Djavoué pour vous servir.